Au plus loin que je me souviens, je dessinais déjà très jeune en fait. Je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimais ça. Et donc le fait d'aimer ça et de dessiner souvent, ça fait que ça se cultive en fait. Premier dessin, si je me souviens bien, c'était un petit extraterrestre vert, un petit personnage qui avait un gros nez et que je dessinais souvent dans différentes postures. Ça, c'est vraiment un très très vieux dessin. Après, j'ai gardé une sacrée collection de dessins que je faisais quand j'étais tout petit. C'était des dessins assez glauques, avec du sang, des gens décapités. C'était vraiment assez trash. Les profs s'inquiétaient un petit peu. Ils m'ont fait voir un psy, mais ça allait. tout allait bien, il n'y avait rien. Ouais, depuis tout jeune, en fait. Depuis assez jeune. Et ça, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant des années. Alors, sûrement influencé par les films d'horreur, parce que quand j'étais petit, j'aimais les films d'horreur. Ou par d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de ce style de dessin. Pendant vraiment longtemps, j'ai dessiné des trucs assez glauques. Et plus tard, ça a pris d'autres formes, mais ça a pris du temps, parce que ça change. Pendant longtemps, j'ai dessiné des choses assez glauques. Ouais. Mais quand j'étais jeune, les dessins glauques que je faisais, je crois pas que c'était mes émotions ou mes états d'âme. Je sais pas d'où ça venait. Il y avait comme une fascination à dessiner ça. Je le voyais plus comme une fascination, en fait. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été embarqué dans des émotions ou des états d'âme étant tout jeune quand je faisais ces dessins assez glauques. C'était vraiment plus une fascination, un amour pour le gore, ce sang, des gens décapités, des squelettes, des monstres. Et puis après, quand j'étais au collège, j'ai dessiné beaucoup, beaucoup en cours. Et au lycée, alors là, j'ai dessiné énormément. Ça, je m'en souviens très clairement. Pendant les cours qui ne m'intéressaient pas, c'était mes cours de dessin. Je dessinais toute l'heure. Je suis parti en Belgique pour étudier l'audiovisuel, ma grande passion. Et arrivé en Belgique, j'ai tenté donc une grande école, l'INSAS. J'ai pas été pris. J'ai fait une année préparatoire. J'ai retenté cette école, j'ai pas été pris. Du coup, j'ai fait une école d'art, l'ERG, et j'ai effectué 3 ans dans cette école. Et au bout de la 3e année, je suis parti au Pérou rencontrer un chaman Shipibo. Et j'ai passé 1 mois et demi. Et là-bas, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas dans ma vie, le rythme de vie que j'avais. Je faisais donc ces études dans cette école. Je travaillais le soir dans des restaurants pour pouvoir vivre et je sortais beaucoup. Donc j'avais vraiment un rythme assez dense, plus les projets personnels. Je travaillais beaucoup pour des soirées, donc je faisais des affiches, des concerts, etc. Des flyers, des t-shirts, beaucoup de choses. J'avais un quotidien assez chargé. Et quand je suis parti là-bas au Pérou, en rentrant, je me suis dit, là, il faut changer quelque chose, il y a un rythme qui ne va pas. Et en même temps, j'avais dessiné pour des professeurs. Il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Je ne me sentais pas libre dans ma manière de dessiner. Il fallait essayer de rentrer dans un cadre. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas là-dedans.
Et j'avais des choses à raconter après cette expérience d'un mois et demi au Pérou. Donc là, j'ai décidé d'arrêter mes études, de continuer à travailler dans un restaurant pour avoir un peu de rentrée d'argent, mais à mi-temps, et me consacrer un peu plus à mon art. Et au même moment, j'ai un ami qui vivait en Australie qui m'a dit, mais viens faire la même chose en Australie. Et donc de suite après, je suis parti un an en Australie. Et pendant cette année-là, j'ai bien réfléchi à ce que je voulais réellement faire. Et après un an de réflexion, je suis reparti au Pérou, revoir le chaman Shipibo que j'avais rencontré, Guillermo Arévalo. Et je lui ai dit, là maintenant, je suis prêt à apprendre. Et donc j'ai commencé à apprendre leur médecine. Et donc il m'a dit, bah, c'est bien, pour apprendre, c'est un an dans la forêt. Et donc là, je suis parti un an en isolation dans la forêt pour apprendre cette médecine. C'est une médecine un peu particulière qui s'apprend directement des plantes. Et donc pendant un an, j'ai diété une plante. En gros, j'ai appris d'une plante. Et donc là, ben, pendant cette année, j'ai pas mal dessiné. Et donc du coup, ces dessins étaient vraiment ce lien avec cette plante, le monde des plantes, les esprits des plantes, les esprits de la forêt, toute cette médecine en fait. Donc là, pendant cette période, c'était beaucoup influencé par ce que je vivais en fait, hein. Et donc là, tout seul dans la forêt, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas d'autres sources d'inspiration que simplement cette médecine. Et ensuite, je suis rentré en Europe, j'ai commencé à pratiquer cette médecine et je suis reparti une deuxième année pour apprendre. J'ai refait une année d'isolation dans la forêt, où là j'ai produit beaucoup plus de dessins, beaucoup plus d'œuvres. Pareil, toujours ces œuvres qui reflètent mon apprentissage en fait. Mon lien avec ces plantes, avec tout cet univers lié avec l'ayahuasca, le monde des plantes, qui est très particulier. Et je suis rentré en Europe, j'ai continué à pratiquer. Je me suis mis artiste professionnel, j'ai commencé à essayer à vivre de mon art. Et donc là, j'ai eu des commandes, donc c'est sûr que mon art là, a pris un autre tournant, il était encore très influencé par ces expériences. Mais ça a un petit peu changé, évolué.
des années plus tard, je me suis mis à la sculpture. Donc j'ai appris la sculpture par l'anatomie. Donc du coup, j'ai commencé à sculpter plutôt des visages et des humains réalistes, on va dire. Parce que c'est comme ça que j'ai appris et je voulais pratiquer pour intégrer ce que j'avais appris. Et tout doucement, ma sculpture a commencé à être un peu plus proche de mes œuvres habituelles. Et là, je commence à sculpter un peu plus ce qui me touche. Et donc, c'est un mélange de toujours mes sources d'inspiration, la musique, l'audiovisuel et certains artistes. Et aussi une influence du monde invisible, du monde des esprits, parce que voilà, c'est toutes les choses que j'aime en fait. Et donc je vais puiser un peu à droite à gauche chez certains artistes, chez certaines images, parce qu'on est quand même dans une société où l'image est omniprésente. Voilà mes sources d'inspiration. Dans ma pratique d'artiste, je me suis confronté à des gens du milieu de l'art. Et quand je leur parlais de mes différentes pratiques, ils m'ont toujours dit « Oh là là, tu t'éparpilles, mets-toi sur une pratique, c'est pas bon quand on fait ceci et ça et ça. » Ils m'ont sorti ce conseil. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté parce que c'est pas ce qui est venu chez moi. En fait, au fil des années, je me suis mis à explorer différents médiums, différents supports, et ça s'est fait spontanément et surtout avec beaucoup de passion. Et évidemment, pendant longtemps, j'ai voulu cacher en fait toutes ces différentes techniques ou matières et me consacrer juste à soit de la peinture, soit de l'illustration et pas plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai pas le sentiment de m'éparpiller. Et au jour d'aujourd'hui, je peux le dire, je suis pluridisciplinaire. Voilà. J'explore et continue d'explorer le dessin, que ce soit au crayon papier, au stylo noir, la mise en couleur à l'aquarelle. J'ai beaucoup travaillé aussi avec la peinture à l'huile, que j'aime beaucoup, l'acrylique, le digital painting, ça j'aime beaucoup aussi, le graffiti. J'en fais moins quand même, mais voilà, c'est un médium que j'ai pas mal expérimenté aussi. Donc la sculpture, le modelage, sculpture, la photo, un petit peu moins, mais quand même, et surtout la vidéo. La vidéo, ça j'adore, c'est vraiment c'est extraordinaire, ça mélange le son, l'image, le mouvement, c'est du nectar hein, quand on aime créer. Mais aussi la musique. Voilà, ben, quand j'ai étudié la médecine des Shipibo, on soigne avec des chants, donc forcément je me suis mis à chanter. Et en fait, voilà, j'adore ça. Et puis la musique, je joue de la guimbarde beaucoup. Là récemment, je me suis mis à la flûte. Donc la musique, c'est plus pour moi, hein, c'est pas forcément pour partager, en tout cas pour le moment. Quand je veux exprimer ou créer quelque chose, eh ben j'ai un panel de choix, ça m'ouvre des possibilités. Et pour certaines œuvres, ça va être plus adapté d'aller sur, par exemple, un dessin en noir et blanc, au stylo noir, par exemple. Et pour d'autres, ça va être plus facile avec du digital painting. En tout cas, ça va être plus facile ou plus adapté. Ou tiens, ben là, je vais plutôt dessiner sur du carton. Voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant avec la couleur du carton,
comme support, c'est très riche. Ça fait que j'ai un panel de choix, ça m'ouvre des possibilités. Et surtout, ce sont des branches où je peux continuer d'explorer, apprendre, progresser. Et ça, c'est du nectar pour un artiste. C'est-à-dire continuer à développer, à affiner ses techniques, sa manière d'appréhender ou de travailler un médium ou de travailler des couleurs, des nuances. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, je peux le dire, voilà, je suis pluridisciplinaire et j'ai le sentiment de m'épanouir dans chacune de ces branches. J'ai des sens assez développés. Je vois chaque petit détail et j'ai quand même une vision très précise de chaque petite chose. Les petites textures, les nuances de couleurs, comment sont placées les choses. Et je pense que ça vient aussi de là, de ma manière de voir. Ma manière de voir le monde, ben forcément, se retrouve aussi dans ma manière de dessiner. Et voilà, cet amour de la précision et du détail. Voilà, avant, à l'époque, j'étais assez maniaque. Il fallait que tout soit bien rangé, précis. C'était vraiment très... c'était même exagéré. Alors, je me suis un peu équilibré. J'ai essayé un peu de... C'était trop extrême, mais j'ai encore cet amour que les choses soient précises, bien rangées. Dès que je pose quelque chose à un endroit, je m'en souviens, je sais où c'est, et si quelqu'un le déplace, je le vois tout de suite. C'est vraiment, il y a quelque chose de très précis comme ça dans ma manière de regarder le monde, de voir le monde. Chez moi, en tout cas, le processus de création, il est très différent. Des moments, ça peut varier. Il y a des moments, je vais avoir une idée très précise de ce que je souhaite faire, qui vient avant. Et ensuite, il va falloir la mettre en forme. C'est une idée au début. Ça peut être une idée, une simple petite pensée. Ça peut être une image. Ça peut être une image assez floue, ça peut être une image très précise. Vraiment, ça dépend des fois. Il y a des moments, ça peut être une combinaison de plusieurs idées que je vais mettre en forme. Des moments, ça peut être juste une vague idée et j'essaye de la concrétiser sur la feuille, de lui donner une forme un peu plus concrète sur la feuille. Des moments, je me laisse porter complètement. C'est-à-dire je vais devant la feuille blanche et puis je me laisse aller et puis je vois ce qui sort et puis des moments, ben, y a une petite idée qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Des moments, c'est en allant piocher l'inspiration à l'extérieur. Je prends des éléments et je vais comme les assembler, les mélanger ou me les réapproprier. Ça arrive aussi. Il y a vraiment différentes formes. Des moments, je vais me placer des contraintes et dans ces contraintes, je vais essayer de créer. Donc, je me pose un cadre et à l'intérieur du cadre, je vois ce qui vient. Il y a vraiment plein de formes différentes. J'ai pas une manière de procéder, il y en a plusieurs. Et elles changent suivant les moments, les périodes, il y a des moments où j'essaye même pas de produire une idée précise. Ça peut être des émotions ou un état d'âme et je le mets en forme. Je crache sur le papier ou je le vomis sur le papier. On peut voir ça de différentes manières. Je suppose que j'en oublie encore. Il y en a plein. Oui,
énormément. C'est assez lié à l'histoire des sens et ma sensibilité au niveau des sens. La condition la plus importante, c'est le calme. Si je suis vraiment dans un processus de création et pas juste d'exécution, le calme, c'est primordial. Vu que je suis assez sensible, même s'il y a quelqu'un dans la maison, ben, je vais le ressentir en fait. Ça peut du coup me perturber. La condition de calme, c'est déjà une des premières conditions. J'aime bien aussi créer avec d'autres artistes. J'ai déjà fait des live painting et où on peint en extérieur avec beaucoup de monde ou dans des soirées ou autres. C'est des choses que j'ai déjà faites. Mais généralement, j'ai déjà fait le processus de création avant et c'est plus de l'exécution en fait. Et étonnamment, dans ce calme, pour moi, la musique est primordiale. Je me mets de la musique. Et ce qui est important, c'est d'arriver à trouver la bonne musique au bon moment. Voilà, ça. Si je trouve la bonne musique, ça va vraiment me donner un rythme, ça va jouer sur l'ambiance et ça va participer à ma manière de créer. Énormément. Et ensuite, ça c'est le petit summum, un bon encens. Alors, j'aime bien les encens japonais parce qu'ils sont très subtils, ils sont pas trop envahissants. Un petit encens japonais, alors ça c'est vraiment les petites cerises sur le gâteau pour les conditions. Un petit thé vert japonais. Et là, je suis aux anges. On ne peut pas avoir meilleures conditions. Quand j'étais adolescent, jusqu'au moment où je suis allé rencontrer ces chamans, j'avais cette image inconsciente de l'artiste qui doit souffrir pour pouvoir créer, s'isoler, se droguer, être vraiment dans les bas-fonds de la souffrance, dans le négatif, dans l'obscurité. Et voilà, c'est des images qui sont inconscientes, mais qui étaient là, quand même présentes. Et du coup, donc adolescent, j'avais une vie un petit peu chaotique, pas beaucoup d'argent, je sortais beaucoup, j'ai pas mal pris de drogue. Et voilà, je créais la nuit, je dessinais toute la nuit. Jusqu'au petit matin, dans des états un petit peu seconds. Et avec le temps, j'ai pu constater voilà, que ça a quand même influencé cette vision d'artiste, comme quoi il fallait souffrir, il fallait aller au fond du trou et pour ramener ses émotions et les mettre sur papier. C'était vraiment une image, quoi. C'est une croyance. Aujourd'hui, je suis passé vraiment à l'opposé. On peut être en bonne santé, équilibré et créer de belles choses aussi. On n'a pas forcément besoin d'aller dans la souffrance ou autre. Et après ça a changé avec la rencontre avec ces chamans, avec les guérisseurs Shipibo. Mais ça a pris du temps. Ça s'est pas fait d'un coup. Ça a été tout un cheminement, mais eux ils m'ont permis de me rendre compte dans quoi je baignais, et puis de voir qu'en fait j'étais pas si bien que ça là-dedans. Oui, j'ai clairement un étonnement de voir ce qui sort. Faut savoir que la diète, c'est très particulier. On est tout seul dans une petite cabane, on voit personne, on parle quasi à personne. On a un régime strict, très très strict, on mange très très peu. L'énergie du corps, elle est très 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 très, très basse. Et on a le ressenti qui est très affiné. Du coup, les dessins, quand je dessinais à ce moment-là, si je me souviens bien, c'est un état qui est très particulier. Donc, en tout cas, moi, quand je dessine, je me concentre très facilement et il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace.
y a dessin. Et dans ce... c'est pas un moment d'absence, hein. Mais disons que voilà, dans cet état, il y a dessin. Et même en dehors des diètes, ça m'arrive d'être très étonné de voir ce qui sort. Mais là, encore plus, parce que c'est pas le type de dessin que j'avais l'habitude de dessiner. D'un coup, je me mets à dessiner des choses plutôt positives, avec de la couleur, avec des constructions différentes de ce que je fais d'habitude. Et je vois bien que là, il y a quelque chose de différent. La source est différente, ce qui en jaillit est très différent, puis ça raconte autre chose. Et sur le moment, j'essaye pas de comprendre ce qui se passe. Je dessine, et c'est à la fin de ma diète, quand j'ai compilé toutes ces œuvres, que d'autres personnes extérieures l'ont vu et ont commencé à me dire « Mais en fait, il y a toute ta diète qui est racontée dans ces dessins, c'est incroyable !» C'est là que j'ai commencé à réaliser ce qui se jouait, en fait. Dans ma deuxième année de diète, j'ai dessiné beaucoup de dessins avec de l'eau. C'est assez étonnant parce que j'étais en diète de la plante coca, qui n'est pas forcément une plante aquatique. Ça m'arrivait de diéter des plantes aquatiques, mais là, c'est pas une plante aquatique. Et j'étais très étonné de voir plein de dessins d'eau. Bon, je me disais, ben voilà, c'est ça, donc je me pose pas de questions, je continue à dessiner. Et à la fin de ma diète, lorsque le chaman Ricardo ferme ma diète, voilà, il ferme la diète, il intègre toute la médecine, et le lendemain, ou après le chant, il me dit, oh là là, il me raconte qu'il voyait toute ma médecine, qui était immense, la médecine de la coca, et il me dit, ouf, des mondes aquatiques à perte de vue. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah, il y a eu la compréhension de pourquoi j'avais dessiné l'eau. Voilà, il y avait des mondes avec de l'eau partout. Voilà, comme quoi, c'est rempli de surprises, ces plantes. Oui, ça m'arrivait. C'est pas le plus courant, mais ça m'arrivait. Je pratique la méditation transcendantale et ça m'arrive assez régulièrement, pendant la méditation transcendantale, d'avoir des idées qui jaillissent. Ces idées, elles peuvent être très précises, comme un peu moins précises. Ça peut être des idées liées à des œuvres graphiques, mais ça peut être aussi voilà, des idées sur le site internet. Ah ouais, voilà, ça, je vais faire comme ça. Puis ça vient, c'est tout un enchaînement d'idées. Hein. C'est pas juste une idée, ah, je vais mettre ce bouton-là. Non, c'est, ah, je vais faire comme ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis ça, puis ça arrive comme un blocus. Ça peut être sur des idées pour de la vidéo. Ça, voilà, ça peut prendre différentes formes, en fait. La première fois que j'ai vraiment sculpté, c'est quand j'ai commencé mon apprentissage au Pérou, ma première année d'isolation dans la forêt. Juste avant de partir faire mon isolation, il y avait dans le centre où j'étais un ami qui faisait de la sculpture sur bois. Il avait des outils incroyables. Et il m'a fait découvrir la sculpture sur bois et en fait, juste avant que je parte faire mon isolation, il m'a offert ses outils.
Donc je suis parti dans la forêt, dans ma petite cabane, avec mes outils et des morceaux de bois, et j'ai pu, du coup, j'avais le temps, du coup j'ai pu sculpter tranquillement. En rentrant en Occident, j'ai mis la sculpture de côté. Des années plus tard, quand j'ai commencé la méditation transcendantale, au même moment, je suis tombé sur un sculpteur sur Instagram, Romain Van Dengenberg. Je ne sais pas si je prononce correctement son nom, hein, Romain. Et il faisait un stage sur Lyon, pas très loin d'ici. Et puis voilà, je suis parti le voir spontanément. Ça a été le coup de foudre. C'était un week-end consacré sur l'anatomie, le visage. Et du coup, je suis rentré et je me suis mis à la sculpture à fond. Ça a été un véritable coup de foudre. Mais je crois que surtout, c'est parce que j'étais prêt, c'était mature. Il y avait quelque chose qui était prêt à l'intérieur pour vraiment se lancer à la 3D, travailler l'anatomie aussi. Donc j'ai commencé donc avec un cours sur l'anatomie, donc avec des visages plutôt réalistes. Et il y avait voilà, quelque chose qui était prêt à l'intérieur pour me consacrer à la sculpture. J'ai mis des années à être content du résultat de mes œuvres. Vraiment, après, peut-être je suis quelqu'un d'assez exigeant, ça se peut, ou assez perfectionniste. Mais j'ai mis vraiment des années à regarder une œuvre finie et à pouvoir me dire, ah ouais, là, je suis content. Les gens étaient plus vite contents de mes œuvres que moi. Ça a pris du temps. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive quand même régulièrement de produire une œuvre et de me dire non, là, je suis satisfait. Et d'être satisfait, peu importe le retour qu'il y aura à l'extérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Oui. Et ça m'arrive aussi de ne pas être content de certaines œuvres aussi. Et d'être étonné de voir que. Des moments où je suis très content d'une œuvre et elle n'a pas forcément d'impact à l'extérieur, ou en tout cas, j'ai pas forcément des retours positifs. Et ça m'arrive de ne pas être content d'une œuvre, et pourtant elle marche, elle plaît, il y a beaucoup de retours, voire même elle se vend. Et ça, c'est assez étonnant à chaque fois de voir qu'il n'y a pas forcément de lien entre le fait qu'elle me plaise pour qu'elle plaise à l'extérieur. C'est vraiment les mystères de la vie, quoi. Je passe des heures à peaufiner quelque chose, une pièce, à la raffiner, la raffiner, la raffiner, la raffiner pour arriver à un état particulier. Et l'accomplissement, c'est quand il est vu et que ça produit quelque chose chez l'autre. Que ce soit positif ou négatif, après ça prend la forme que ça prend. Et d'avoir ce retour, c'est quelque chose qui est très agréable pour moi. Je pourrais pas dire que je produis mes œuvres pour ça, mais je suis très content quand ça a lieu. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est une souffrance de rester dans l'ombre, ou en tout cas que mes œuvres restent dans l'ombre.
on rencontre des artistes, par exemple, comme je prends l'exemple de Jean Giraud Moïbus ou Katsuya Terada, enfin, c'est des artistes que j'aime, mais ou n'importe quel autre artiste, on voit ses œuvres et on voit son travail accompli, on le voit vraiment un travail abouti, accompli, réalisé. On oublie que derrière, il y a des tonnes et des tonnes d'heures de travail, de frustration, de moments difficiles où l'on rate, on recommence, on doute. Et que tous ces moments-là, ils font partie du chemin intégrant. Et donc, aux jeunes artistes, j'ai envie de leur dire, mais travailler avec persévérance, traverser tous ces moments difficiles de doute, de remise en question, de colère, de frustration ou autre. Hein. Voilà. Moi, j'ai vécu cela, mais peut-être dans les doutes, de tristesse ou peu importe. Traversez-les et avec une constance, une régularité. Et c'est ça qui paye. Et puis, la méditation transcendantale. Ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. C'est David Lynch qui m'a fait découvrir ça. Et lui, il le dit, ça a eu une influence monumentale sur son travail. Et je vois tout ce que ça m'apporte au quotidien et notamment sur mon art. Voilà, ça, c'est un de mes conseils. Donc là, je suis en train de travailler sur une série d'œuvres qui sont inspirées de l'instrument de musique, le shakuhachi. C'est une flûte japonaise. J'ai découvert cette flûte il y a pas très longtemps. C'était le véritable coup de foudre, absolu. C'est une vieille flûte japonaise du 12e ou 13e siècle. Assez exigeante, c'est assez précis, mais qui a un son incroyable. Et du coup, je me suis mis à découvrir tout ce monde, hein. C'est tout un monde, tous les différents artistes qui utilisent cette flûte. Du coup, je prends des cours au sein de l'école Shakuhachi Fuke, école orthodoxe, avec un grand joueur, un grand maître, un vrai délice. Et ça m'a inspiré une série d'œuvres sur cette flûte, la flûte Shakuhachi et l'Itoyogiri, c'est une autre petite flûte. Les deux sont assez connectés. Et du coup, l'œuvre sur laquelle je travaille en ce moment, c'est un premier jet suite à cette découverte de cette flûte, ce que ça m'inspire. Ça me fait connecter. C'est vraiment un gros coup de foudre. J'ai réalisé cette œuvre, ce dessin,
quand j'étais en diète avec la plante ayahuasca. J'étais en France, dans mon petit appart à Verfeuil, tout seul, en diète. Et voilà, c'est. Pour moi, ce dessin, c'est vraiment la diète de l'ayahuasca, le monde de l'ayahuasca. Au centre, il y a la divinité de l'ayahuasca, ce personnage féminin qui peut prendre aussi la forme du serpent. Et tout autour, un petit peu le monde, les esprits, certains esprits que l'on peut retrouver dans ces mondes de cette plante, avec ce côté très, très coloré, très lumineux. En tout cas, j'ai essayé de retranscrire un petit peu cette diète. Donc voilà, quand j'ai fait cette œuvre, je ne me suis pas dit je vais représenter le monde de l'ayahuasca, je vais essayer de. Non, je me suis mis devant une feuille, j'ai pris un crayon, j'ai commencé à poser des choses un peu spontanément. J'ai un tout petit peu construit l'image. Et après, ça s'est fait assez vite. J'ai pris le stylo, j'ai repassé des lignes, j'ai gommé de la couleur, beaucoup de couleurs. Il n'y a pas eu trop de réflexion, c'était plus spontané. Voilà, ça c'est un dessin vraiment qui a été réalisé en diète, pendant une diète, à l'intérieur d'une diète, baigné dans cette diète de la plante ayahuasca. Ce dessin-là, il a une histoire que j'aime beaucoup. Déjà, c'est un dessin que j'aime beaucoup particulièrement, mais son histoire aussi est assez drôle. Je me suis retrouvé en cérémonie avec le réalisateur Yann Kounen, entre autres. Il y avait plein d'autres monde, mais il y avait aussi Yann Kounen. On était à côté. C'est une bonne connaissance, un bon ami, vu qu'il baigne dans la médecine Shipibo et puis que j'ai appris avec Guillermo et que c'est son maître aussi, Guillermo. Et donc on s'est retrouvé dans une cérémonie. On était assis à côté et je venais juste de terminer ma diète de la plante coca. Donc voilà, c'est ivresse très forte, on boit l'ayahuasca, les visions se déploient et la nuit se passe. À la fin de la cérémonie, on était assis à côté, donc on commence un peu à partager et il me dit, oh là là, Teddy, j'ai eu une vision incroyable, il faut que je te raconte. C'était d'un coup, devant nous deux, il y avait les trois esprits. De la coca qui était assis en face de nous deux et c'était une vision apparemment de ce que lui m'a décrit, une vision très très belle avec beaucoup de lumière et on se partageait entre chaque personnage de la connaissance sous forme d'objets etc. Enfin de choses qui s'échangeaient comme ça, c'était vraiment de la connaissance entre nous, apparemment une très très belle vision. Je lui dis, mais écoute, fais-moi un petit croquis de ça, j'ai envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Vu qu'il dessine, il aime beaucoup dessiner aussi, il aime quand même. Et il m'a fait un petit croquis de ses personnages, et du coup, ben, je me suis inspiré de son croquis et de sa description de ce moment précis, et j'en ai fait donc ce dessin. Que j'aime beaucoup, là c'est un tout tout petit format, je l'ai réalisé avec un stylo noir de 0,05, donc vraiment très très fin. Et lorsque je l'ai encadré et mis sous verre, j'ai commencé à dessiner sur le passe-partout pour donner un peu plus de. Pour continuer en fait l'œuvre à l'extérieur du dessin. Thank you.
Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci.